fait main. Dans les Vosges, le lunetier Inbo à Lévoivre affiche clairement la couleur. Un savoir-faire axé sur la confection de montures en bois à mettre en lumière. 70 opticiens français et belges sont venus découvrir les coulisses de l'entreprise et participer à la fabrication, à l'image de Guillaume qui s'applique à poncer les traces de colle. On découvre certaines étapes qu'on pensait beaucoup plus industrialisées, donc le côté vraiment manuel qui ressort est très intéressant. On va avoir une histoire à raconter à nos clients, on va pouvoir leur proposer vraiment ce côté local fait manuellement. Une belle opération de communication pour cette entreprise de 30 salariés qui n'était il y a 10 ans qu'une start-up de 5 jeunes diplômés. Aujourd'hui, Inbo, c'est 2 millions de chiffre d'affaires. On a pas mal investi ces dernières années, entre autres le bâtiment dans lequel on est. On a créé une nouvelle marque, une marque de lunettes en lin qui s'appelle Linote. Donc il y a aussi la volonté de faire naître de donner de l'essor à cette nouvelle marque. C'est toujours de travailler autour de l'optique et de renforcer vraiment notre façon de fonctionner avec les opticiens. Au-delà d'une lunette, ce qu'on vend, nous, c'est aussi une vision de l'entreprise, une entreprise qui est un peu différente dans notre façon de manager, dans les contraintes qu'on se donne par rapport à la fabrication. Il nous tient à cœur de travailler avec des fournisseurs qui sont le plus local possible. On ne va jamais travailler avec des bois exotiques, c'est toujours des feuillus européens. Malheureusement, le trancheur qui était à 40 minutes de chez nous a fermé, mais on arrive à s'approvisionner de façon européenne. Le plus loin, c'est l'Italie. Le Made in France au cœur de ces journées portes ouvertes où des représentants lunetiers et verriers tricolores étaient invités à présenter leur dernière création en avant-première pour ce marché qui progresse à vue d'œil. La dynamique est plutôt bonne de par un facteur naturel qui est le vieillissement de la population. Comment on se distingue ? Nous, Inbo, c'est le savoir-faire français qui est certainement un des plus reconnus au monde. Et en ce qui concerne les verres, il y a plein d'innovations, les verres qui se teintent au soleil, les verres qui freinent aussi la myopie. Cette rencontre entre professionnels français a été pensée comme un tour de chauffe avant le CILMO, le plus grand salon de l'optique au monde, qui se tiendra à Paris la semaine prochaine.